Alors Bernard, on les traite comment les œufs aujourd'hui? Brouillés avec des pointes d'asperges. Et brouillés, tu connais. Alors pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Alors Bernard, on commence par cuire les asperges. Voilà. On a 2 bottes, on les a préparées, lavées, on a de l'eau qui bout. Et là on sale bien, 15 grammes minimum au litre d'eau. On plonge les asperges et là on les cuit al dente. Nos asperges ont 5 minutes de cuisson. On les retire et on les plonge tout de suite dans de l'eau et de la glace pour les rafraîchir et pour fixer la chlorophylle. Mais on les laisse pas. Une fois froides, on les égoutte aussitôt. Alors on a 6 œufs, on les a cassés dans le saladier. Alors ce qui est très important, c'est de bien mélanger le jaune avec le blanc. C'est le secret. J'explose le jaune. Et ce qui est très important, il faut vraiment, mais vraiment que le jaune soit bien mélangé avec le blanc, parce que dans les œufs brouillés, on verra des petites taches blanches. Ça voudra dire que les œufs ont été mal mélangés. Là, on va les assaisonner, là, maintenant, voilà. Nos œufs sont battus. On a 30 grammes de beurre. Alors là, on voilà, fait donc, fondre le beurre doucement. Il faut un feu très doux. Quelle est la qualité d'un bon œuf brouillé, Bernard? Eh bien, c'est que cet œuf, il soit moelleux. Qu'il n'y ait pas de grumeaux. Il ne faut pas que ça fasse comme les, voilà, comme une omelette mal faite. Premier frémissement du beurre, on verse les œufs. Et là maintenant, on remue bien le pourtour, le fond, pour pas que comme les œufs voilà, attachent. Bien tourner et on autour, va doucement. Après on va au fond. Et là, Bernard, on remue pendant au moins 20 minutes. Ah oui, au moins 20 minutes. Alors si le téléphone sonne, on le laisse sonner. La cuisson te convient, Bernard? C'est super. On les tient surtout au tiède. On les remue de temps en temps quand même. Et on va finir la cuisson des asperges, c'est-à-dire le faire sauter au beurre. On met 30 grammes de beurre dans la poêle. Premier champ, on pose des asperges. Et on les fait rouler dans le beurre. Un tour de moulin et quelques grains de gros sel. C'est une merveille. Maintenant, nous passons au dressage. On a versé nos œufs brouillés dans un plat chaud. Et maintenant, on dispose harmonieusement cette belle pointe d'asperge, non? Voilà. Bernard, c'est une entrée, c'est un plat principal. À quel moment on déguste ce plat? On les mange tout de suite, j'ai faim. Alors au revoir. Et bon appétit, bien sûr.